pauvreté, conditions misère, chômage, tout c'est yo qui le chagrin quotidien haïtien. Alors voilà, si nous réunis, c'est pas pour nous bailler blague, c'est pour nous effectivement agir sur problème ça yo. Diagnostic yo nous fait déjà journée jodi an ça peuple attend nan men nous c'est solution et n'a travail pour ça. Merci, merci encore. Alors ramasser c'est l'affaire de toute une équipe, même si c'est moins écoué dans la présentation, hein, mais c'est l'affaire de toute une équipe. C'est d'ailleurs Lovensky qui est en face de moi et qui d'ailleurs m'accompagne pendant toute la semaine aussi à Intersection. C'est aussi affaire de jeunes et équipe ça qui dans live là ensemble. Junino Goda et puis gagnent et photographio qui par moment avec mais pas toutes assez gagnent qui en bas gros sanction et cap mal pour en tout cas et René Antoine Lerbou Fano Kabé non salut tout et puis salle des nouvelles là Garnito François Garnito. Un bon petit mot pour vous parce que c'est vous-même qui aidez me compiler information et tout. Merci. Donc c'est vraiment une affaire de toute une équipe. Ça nous pas oublier les différents correspondants et de la radio. Et nous en contact direct. Nous saluons par exemple Eli Lorveus dans Jacques Mel. Eli qui même si li ba ici au QIA sur radio, hein, mais toujours un petit message à travers WhatsApp pour le voir ben nous pour nous pas rater en rien de information et qui passait dans sud-est pays a nous saluons Eli nous remet collaboration qu'on offre nous et nous saluons toute station qui dans sud-est là tout toujours branché émission ramassée en Samarène. Certainement nous obligé mettre en pile énergie pour nous démarrer émission hein, mais c'est pas que trop content passer ça. Parce que me pensais même j'avais nous-mêmes nous révulsés par information qu'a vinn joine nous tout temps et des fois les nous pensais nous pral gon petit sommeil reposant ou on y couvrit téléphone ou WhatsApp ou pour regarder ou est-ce image encore ensanglantée image encore et sans vie qui vinn joine nous yon l'autre qui retire souffle et le plus souvent sont jeunes sont monde que toute famille placé gros espoir sous lit toute société a passé gros espoir sous lit c'est toujours ça qui vient joindre nous c'est ça qui fait contrôler espérance de vie haïtien et c'est pas un bagage qui est facile parce que gagne tellement d'événements qui cap dérouter nous déranger nous déstabiliser nous chaque jour qui fait que nous croyons que vraiment les difficiles on dirait que chaque haïtien a doué un psychologue que la peut tout le temps tellement déstabilisé alors c'est ça hier soir le nouvelle Grégory Jean-Philippe Grégory Saint-Hilaire mes amis ça me gars Grégory pas nan Boris ya Grégory Saint-Hilaire un étudiant finissant nous comprenons ça ça veut dire tout temps m'a expliqué dans pays d'Haïti l'on famille consenti sacrifice pour depuis dans kindergarten kindergarten c'est côté pied exigeant moi connais bien pour expérience que nous fait dans Christian Academy Carrefour moi connais li exigeant en pile depuis dans kindergarten pour financer l'école en petit monde rivé dans cycle primaire parce que m'a demandé si dans le monde gagnent et pays qui ont cycle scolaire aussi long que pas nous aussi long écouté que pas nous pas oublier que toi qu'à l'école yo c'est dans main privé oui ça veut dire l'état et gon désengagement au niveau ça et que même grand pays yo pas gagne donc et puis pour investir dans cycle secondaire ti moun nan sorti fait toute année secondaire sa yo qu'on y a arrivé dans faculté dans école normale supérieure et puis c'est comme ça on bonsoir la revendiqué pour l'autre pays gagne qu'a revendiqué ton à l'école normale parce que gagne et
l'époque, t'es signé avec le ministère de l'Éducation nationale pour le fini dans l'école normale, pour le caser, un stage ensuite. Donc, il a revendiqué toute question ça, la vie, on meilleure la vie pour le monde. Et puis, c'est comme ça, et on citoyen, qui pas comprendre, je pense que les subit même sacrifice, parce que l'on est gouage en UGPN, même si ou même ou pas arrivé aussi loin peut-être que Grégory Saint-Hilaire, mais ou gen frère, ou gen cousin, ou gen de mounou qui allait aussi loin, et puis des fois, imaginez que c'est à yon pa ou yo qui t'a rete un bonsoir qu'on s'accoué ten souffle. M'tapende Patrice Dumont, qui a tout à fait raison. La police pa gen mission pour le vin touye moun. La police c'est protéger la vie et les biens, c'est sa mission niye. Donc on étudiant prend balle malgré tout. L'école normale toujours assiégée, c'est avec un pile difficulté pour réussir évacuer li et river l'hôpital général. Nous connait tout problème yo déjà, l'hôpital général pas gain moyen, li pas joindre soin. Ou imaginez depuis le m'a suivre événement au côté étudiant prend balle là et penser que si li était rapidement river dans l'hôpital général et puis yo t'était gon prise en charge qui était faite et pas qu'on est parce que nous pas qu'a dit ça avec si on ou ka fan pile bagaille donc nous pas qu'on ça t'a qu'a passé mais peut-être aussi ville t'est qu'a sauver. Bon, c'est très tard que finalement les ou pas besoin de soin l'hôpital général courir avec dans l'hôpital Bernard Meuse pour la rendre dernier souffle et là son bagaille qui vraiment manger nous dans toutes entrailles. Nous n'a dit merci pour voir tête caléa et qui ça on étudiant sans âme t'a qu'a représenté comme menace pour parler national pour Jovenel Moïse qui fait que agent UGPN obligé vinetten souffle et moi même plusieurs fois me passer dans zone nom qu'on a parlé à Jorge Mérilien de samedi ouais situation côté l'école normale lié par rapport avec monsieur Sayo moi craigne sincèrement que on dérapage pas arrivé en bail irréparable pas passé et voilà c'est arrivé et hier soir vraiment déploré ça qui est arrivé mais faut que bagaille la pas rester dans stade déploré faut aller au-delà de déplorer parce que faut que Jovenel Moïse et ses sbires faut que yo remettre citoyen ça identifier son bagaille qui très facile et m'ta mandé l'autre agent UGPN yo pour yo pas nan couvri pour pièce moun sou konnen ou pas assassin ou pas nan tirer sou étudiant c'est pour nous remettre citoyen ça d'ailleurs ça obligé fait à la justice civile pour la subir soli et puis comme ça ça trace son exemple pour l'autre yo l'autre policier qui comprend que Jovenel Kavoué moun touye moun pou li et puis demain c'est eux même cap devant tribunal là c'est eux même cap subir la rigueur de la loi la rigueur de la justice y a comprendre que les moun voye nous touye c'est nous même qui est cap premier concerné par situation passée à donc vraiment vieille nouvelle et si tu as étudiant ça m'a regardé photo jeune homme nan bon militant et qui tombé dans condition et que nous connaissons d'ailleurs nous conscient et qu'elle était appartenu à elle nous conscient qui dit que il est vraiment attristé par et situation ça donc il dit c'est assassin et Jovenel yo touyel nous conscient dit que c'est avec un pile tristesse de l'onanger et nous conscient apprendre dans date 2 octobre 2020 un yon bandit IGPN assassiné lâchement jeune ça en jeune très engagé Petro Challenger man et nous conscient donc Grégory Saint-Hilaire qui t'a étudié tout oui il était étudiant faculté de droit et des sciences économiques aussi donc ça veut dire son manger et parents reconnaît tout cuit pour yo
Donc nous conscients vous sympathie by famine zami Grégory qui en deuil dans moment difficile ça et nous conscients demander justice pour jeune garçon ça qui était bourré avec avenir il était et qui était rêvé ouais un jour dans ville Haïti changé Grégory Saint-Hilaire retenu non songer Greg mouri en baba lion policier Palais national d'ouvent porte yon faculté merci Haïti donc monsieur toujours à répéter lutte sans relâche c'est ça et Grégory Saint-Hilaire toujours à répéter et voilà comment situation hein? Comment arriver perdu la vie li hier soir et puisqu'elle prend balle là 5-6 heures et puis voilà qu'elle prend mourir un petit peu plus tard dans la soirée à l'hôpital Bernard Meuse tant coup nous sommes d'Olia. Alors dans chapitre ça n'a tout présenté condoléances non by ancien et questeur et de la Chambre des députés et ancien président et Charles Chancy qui perdu et mamani madame Lorraine Pierre et funérailles yo te chanté d'ailleurs hier dans paroisse Saint-Hubert d'Enry et maman Chol qui t'est faite le 21 juillet 1934 et qui mourit jeudi dernier 24 septembre 2021 à l'âge de 86 ans, selon la formule consacrée, n'a dit que la terre lui soit légère et n'a prié toute famille hein, pour accepter condoléances émues et radio a et nanon pam puisque son famille que moi et connaît et très 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 bien. Voilà et puis actualité a gagné et exécutif là puisque nous connaît Jovenel Moïse mettait dans situation pour n'a fonctionner sans parlement naturellement journée puisque depuis dans premier 2 3 octobre nous avons un nouvel exercice et ceci est valable et pour la justice son nouvelle année judiciaire aussi son c'est on t'a doué un nouveau budget c'est le cas un nouveau budget qui a rentré en fond que cap entrer en application et nous ta doué reler loi de finances malheureusement nous pas carré reler comme ça parce que nous non pays d'exception que nous gon pouvoir mettre dans situation ça pas gain parlement qui pour voter budget donc nous pas capable parler de loi nous connaît c'est seul parlement qui ca fait loi donc c'est pas en loi de finances c'est un nouveau budget et qui entrer en fonction et pratiquement là avec et quelques considérations et qui fait dans budget ça puisque ministre finance là et t'a présenté hier naturellement ça qui intéressant quand même la donne c'est un petit ajustement et c'est un ajustement qui gagne la donne et il y allait graduellement et dépendamment de rang ou en fonction publique là mais c'est tout fonctionnaire qui a bénéficié certainement sous dans plus gros rang dans administration publique là et pour la pipitile quand on bagaille 5% mais le ou dans par exemple personnel de soutien de ménage entretien dans ministère par exemple monde qui a servi café c'est monde ça qui a un salaire de mise hein, rien du tout donc nous pas même te doué parler de et augmentation son ajustement et ministre l'a expliqué c'est plus pour yo que yo te envisagé et question si là et puis avec l'autre monde tant coup les enseignants et du secteur privé dit enseignants du secteur privé c'est certainement parce que l'état va gagner moyen pour augmenter salaire enseignant et du secteur public excusez-moi il va gagner moyen pour augmenter salaire enseignant et privé m'espérer que privé a certainement qu'a fait face à toute difficulté partout la ca garder comment la ouais si la main ça y a bail les enseignants du secteur privé aussi et puis les policiers oui policiers yo qui pas touché rien du tout gon ti bagay et Kevin Junio en tout cas n'a pral ouais qui ça bail l'a garder cou la vie a li pral toujours
paraît dérisoire parce qu'on pas jamais qu'à répondre à revendication, mais quand même c'est mieux que rien, c'est quand même à féliciter, à encourager. Alors, sous question et dollar là tout hier dans cérémonie qui t'est gagné dans et banque centrale, cérémonie qui t'est gagné dans banque centrale là, que ce soit président Jovenel Moïse ou bien et que ce soit premier ministre Joute, yo tout tapé bat bravo contentement, et Jovenel Moïse même monté sur ses grands chevaux pour l'a dit oui, et c'est qu'on y a le reconnaître que good luck t'a perdu valeur devant dollar, c'est ton facteur de déstabilisation etc, et que yo fier que journée jodi a grâce aux mesures et de l'État bagayo changé, et Joute dit que comme la tournée nan niveau l'teye, le président Jovenel Moïse t'a pris pouvoir. Alors, nèg yo a félicité yo pour des mesures qui prend. On pa renmen président Jovenel Moïse avec très objectivement, sans critique, parce que quand même tout moun anvi ça, sans critique din ki mesure sa yo ki te prend. Ça veut dire injecter l'argent et sous marché a prend quelques mesures contre banque etc. Alors c'est ça qui fait nous pi inquiet parce que l'on marché aussi instable, ça veut dire nous tout connaît, et c'est ça qui fait tout économiste pratiquement bébé devant telle situation, tout monde a cherché et yo peut-être analyser par des décisions politiques. Or marché a toujours déterminé par lui-même, ça veut dire et mesures économiques, décisions économiques et décisions toujours qui pour valoriser monnaie, et ça c'est ABC en économie, c'est toujours un bagage qui visait relancer la production locale, et c'est sous pas besoin économiste pour comprendre ni et stimuler la croissance, création d'emplois, création richesse, c'est bagage ça vous valoriser l'argent. Dis-moi pendant ces dernières années qui j'aime mesure de ce genre qui j'aime prendre en Haïti. Qui ça en a regardé au niveau agricole, au niveau les petits artisans, tout le monde ça a emploi créé pour nous dire qui ça qu'expliquer de manière économique sous marché a que tu as une appréciation monnaie noire par rapport aux devises étrangères. Et on a regardé président Jovenel Moïse qui fait un pile investissement dans l'agriculture à travers caravane changement. Dis-nous, allemand des paysans l'Artibonique qui s'est adoué pionnier dans relance production agricole là, qui j'en étais avant, qui j'en y est qu'on y a. Catastrophe, l'argent jeté. Et ceci dans tout l'autre domaine. Qui quantité emploi créé? En rien. Au contraire, c'est perdu. Donc, les noms, dollars a dégringolé par rapport à good là, c'est vrai nous t'a dû apprécier, c'est vrai nous t'a dû content parce que ça t'a dû diminuer prix produit première nécessité, mais nous très inquiet, nous dit qui choc captain nous après, parce que ça apparaît pour n'aucune loi économique ça cap passé à là, et précédent était tout que ça a fait faut qu'on t'a plutôt inquiet pour demain. Parlons bagaille qui très simple. Et ça, c'est pour une considération pour experts. C'est pas comme si mon expert, d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas formé en économie, mais pas jamais t'es passé, même un jour, dans l'école économie, c'est sciences politiques, c'est, bah, ça, on nous fait. Mais, on nous font une considération, par exemple. On nous font une considération pour que le fait que pas gain Samson Tabdio, stimuler la croissance et production locale non yo pas valoriser mon conséquence dollar ça qui chuté a gain les dollars chuté, ça veut dire ça t'a doubo plus possibilité ak moins good possible pour gain dollar, et lor gain plus dollar ak moins good possible ça t'a vle dit que pour produit k'ap saute à l'étranger ou gain plus possibilité pour gain yo tant coup du riz importé, tant coup l'autre bagaille que nous toujours à dénoncer k'ap craser production locale, mais li pa ka gain incidence sous production pa nou yo,
ça veut dire paysan l'antibonite là qui te produit du rien il pas gagné pour le avec dollar américain lui-même et il gagne même coût de production ça veut dire du riz là l'on garder tout cycle de production que ce soit dans défricher terre arroser payer moun pour entretenir production hein, et avec les rongeurs on a parlé de rats qui manger etc sacrité à et payer moun encore pour sécher du ria faire mise en sac ou bien ça a faire pour voyer le Port-au-Prince pas gain moyen yo même pour yo descendre ça veut dire dans quelle situation qu'a trouvé c'est pas dit non 10 dollars baisse c'est pas bon non loin de là seulement nous t'arrêt mais le baisser avec des décisions et pas décision non avec marché ak ta baisser donc paysan ça cap vinn vendre du riz Port-au-Prince là a fait dollar baisser ça pas concerné li pas ka vendre ni pi bon marché li alors moi dis ça n'a pas fait considération pour tout l'autre produit que nous gagne ici que le manioc que le pois tout ça nous produit yo. Au contraire, qu'on y a le bras mettre en concurrence plus déloyale par rapport à l'étranger, puisque qu'on y a une possibilité pour acheter du riz Miami, du riz l'autre côté a qui vient moins cher pour vous, et même petit machin qui fait manger cuit là, li ka descend plat manger là mais avec du riz Miami, mais le pas qu'à descendre avec prix local, du riz local là, ça veut dire ou risquer trouver dans situation que paysan la Tibonite là ou bien moun k'ap produit patate banane manioc là li retenan men au profit de produits étrangers parce que comme la k'ap descend nan c'est pas produit production nous qu'augmenter pour pril te baisser c'est faut nous te gain plus production nous pas qu'à faire plus production dollar baisser donc c'est l'autre bon après le voir faire bagaille rentrer plus tout produit nous qu'a baisser sur marché là moins content parce que type monde pas qu'à manger bah yo difficile ça dit tête nèg mais qui produit oui produit importé ça veut dire journée jodi hein situation doit journée jodi hein c'est monde qu'a acheter plus du riz à l'étranger toujours plus l'autre produit parce que c'est lui même qui qu'on baisse et moi même tout si de conditions modestes si a fait pas trop bon m'a toujours profité m'a pire aimé à l'acheter ça bon marché donc ça cap saute l'autre bois au détriment de production locale donc c'est ça que fait et président moi comprends non comprendre satisfait chit ko bay tête toi et c'est pas dans ken sentiment d'opposant son réalité parce que marché ça jamwe good lab dégringolé pas gagnien sous marché économique là qui expliquer ça, lui semblait plus une décision politique. Et s'ils ont décision, bon, et pas s'ils, c'est évident, conséquentiel, mon petit Jean-Paul, parce que justement, ça a renforcé notre dépendance par rapport à l'étranger. Un exemple, tout court. Si vous prenez par exemple, sénateur La Tortue, donc après n'importe qui l'autre, sénateur La Tortue qui n'a production ze, l'a fait ze ici. Avec même condition yo parce que faut que l'acheter faut que lisser ci faut que lisser là pendant temps ça puisque dollar descend nan point descend nan ou après le joindre que moun yo gen plus possibilité pour yo voyer prendre à l'autre bord et puis en concurrence déloyale par rapport avec fermier ici l'autre moun ici kap dégager yo pour yo stimuler la croissance créer emploi etc. Donc mes amis pas prophète de mauvais augure c'est pas rien même barin mais les dollars monter moi même la caïmen moi gen même condition avec nous moi même tous les m'a pas acheté du riz tête nèg li dégoûtant les m'a pas acheté l'huile la tête nèg li dégoûtant mais en tant qu'haïtien soucieux de bien-être pays, de production pays, moi très anxieux aussi pour me dire produit local yo est-ce que n'a pas envie acheter yo parce que yo même yo pas qu'à subir même baisse là d'ailleurs on regarde même prix essence là pas baissé et gaz et qu'on utilise ya alors que moun nan qui sorti avec produit ça en dehors pour venir vendre Port-au-Prince là c'est li monter machine et machine yo coup prix coup yo pas baisser parce que prix gaz là pas baisser tout donc sans pile considération dirigeant responsable c'est pas pressé bat bravo content pendant temps ça ou connaît que
pas aucune mesure qui te prend sur marché a vraiment ça n'a dit yo c'est des bagages nous fait chaque année a fait injecter dollars chaque année la banque centrale fait peut-être ça qui nouveau ces sanctions yo prend contre une série de banques qui te quitté vocation ça me félicite BRH pour lui me félicite une série de banques qui te quitté vocation première yo parce que dans tout pays banque commerciale privée yo aider créer richesse parce que c'est eux même qui ont ouvri qui ont accessibilité au crédit pour tout jeune entrepreneur tout monde qui voulait mais ici pas gain ça mon yo préféré banque yo préféré dans achat et vente de dollars qui mettait dans situation de dépendance ça que nous y est journée aujourd'hui. Alors voilà l'autre fait dans actualité a c'est question élection hein, et Jovenel Moïse m'ta kap di prend on pratiquement on soufflette marassa et c'est maintenant parce que Jovenel Moïse qui pas tellement coûté et préoccupation par Borisite ça mon abdil par rapport à inquiétude pour on nous ta va rentrer non m'ta kap di non atmosphère électorale pendant nous gain climat de tension ça dans pays a d'ailleurs comment étudiant a mouri ouais batoni a mouri mon a tombé kidnapping n'a fait chemin nous pas connait qui quantité mon policier gon jeune policier qui tombé 1er octobre là tout attendé et famille policier ça son bagaille c'est trip pour cap déchirer et gang yo contrôler majeur quartier populaire yo et yo pas même fait que ça yo déplacer l'œil ouvlé avec zamio en bandoulière yo à l'aise gars de monde qui même a expliqué que 400 marozo yo rivé dans conflit et presque tabac bien loin et donc yo déplacé à l'aise c'est dans atmosphère ça que n'a vive toute organisation dans pays a dit président Jovenel Moïse ambiance ça c'est pas ambiance que si ambiance délétère ça c'est pas grand chose changement pas un monde qui pral dans élection et d'autant que lui-même li pas inspiré confiance et puisque mon yo pas quoi dans li yo pas yo gain longtemps yo révoqué mandat déjà c'est les États-Unis qui kembe Jovenel sous pouvoir yo dit ça pas jam quoi mais ce maintenant là et ambassadeur José Gomez ambassadeur le pays la France dans pays d'Haïti n'ta cap dire refroidi et ardeur et pouvoir qui te croit que diplomatio c'est tête baissée il a suivre li dans projet ça dans rentrer dans élection tête chatte dans n'importe qui condition en tout cas ambassadeur qui était de passage et dans sud-est pays à Jacques Mel côté le tal est installé un consul honoraire qui c'est Jean-Yves Boursier consul honoraire à la France dans ville Jacques Mel c'était avant-hier jeudi 1er octobre là et il dit pays d'Haïti poco paré pour réaliser élection pour combler vide institutionnel yo à cause conditions techniques et politiques yo alors elle a parlé de conditions techniques et politiques qui poko réuni li dit ça en pile organisation dit ici des organismes de droits humains et sénateur Yuri la tortue et en pile l'autre comme te même tendé représentant PHTK et principal dirigeant dit même bagaille là tout Liné Baltazar qui dit que même si ou ta meton rite effréné pour ta fait carte électorale ou pas jam gantan gain nan moment à temps pour tout citoyen ta ka gantan gain carte yo et RNDDH te fait même rapport ça même constat ça à tout et ben nèg yo tête baissée qui te mêlé aussi a fait élection gain de ti moun qui en âge de voter qui atteint majorité yo qui pas ka voter son pays cap exclu moun carrément nan ki pays pour moun nan ta atteint majorité et puis pour le pas ka joine une carte qui dit qu'on soit citoyen ou qu'à participer dans vie politique pays ou qu'à voter. Donc et ambassadeur lui-même lui fait calcul pas lui ouais que conditions ça ou pas réuni mais pas ça seulement lui dit conditions politiques et tout. Là elle fait cadeau à Jovenel lui va même parler de lui et le fait que le pas inspiré confiance mais il dit c'est pelmeté
ambassadeur a dit c'est pile mettre et il a pas inspiré confiance il pas croit que parti politique yo en tout cas là pour observer li pas croit politique et parti politique yo pral vle engager avec CEP ça pour y aller non élection c'est ça diplomate français a li montrer gain nécessité pour neuf membres conseil électoral provisoire ta travail pour bénéficier confiance population a, mais ça c'est presque clair que li connaît ça pral difficile donc Monsieur Enclair dit les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections en Haïti dans le moment ça. C'est vraiment un coup de l'eau frette que Monsieur Bay Palais National qui a foncé tête baissée dans le projet dictatorial, puisque pas oublier arrêter Jovenel Moïse là, bay CEP ça mandat tout pour organiser un référendum sous constitution. Mais on remarque que nous faisons dans semaine là, m'espérer que auditeur auditrice yo même yo té ça pas échapper à attention yo. Dans cérémonie installation neuf membres conseil électoral provisoire on en parlait sans prestation de serment devant cour de cassation. M'a remarqué, c'était représentant OEA que nous t'ai remarqué, c'était représentant et Bahamas que nous t'ai ouais avec représentant et Taïwan. Sans nous pas manquer respect à yo, n'a dit OEA et li montrer et à travers histoire politique récente pays d'Haïti que li pas jamais bon côté peuple. Des fois, yo quand même traité au de racketeur qui fait deal etc. Ensuite, Bahamas c'est un petit pays qui peut-être dans même région ensemble avec ni gan pile particularité et gan pile point commun avec que nous respecter nous remen mais quand même au niveau diplomatique ça le cas représenté et en termes de légitimité pour un processus li minime donc laisser lik là et ça on ti gens poser question et puis l'autre point encore c'est représentant Taïwan ka Taïwan nan très particulier du fait que Taïwan ou qu'on est que la Chine toujours considère la grande Chine toujours considéré comme une province rebelle et côté c'est pas un pile pays qui jambe à cause de relations rapports diplomatiques commerciales ou autres que on gagne à la grande Chine pas jambe trop carré connaître Taïwan donc Taïwan des fois li pas ca embarrassé de scrupules ou bien de trop soucis pour le dire qui processus mapi ou pas le fait qu'on gouvernement reconnaître l'is déjà c'est fait que le tap fait donc n'importe son invité li pas besoin qu'on ait la plat situation très particulière et c'est ça qu'il faut toujours et tout que Taïwan c'est pays qui baille l'argent en veux-tu en voilà c'est pas même gens avec les États-Unis ou bien l'Union européenne même si au bon aide yo même si c'est aide yo ba ou c'est don yo pas d'accord qu'on fait sauve la vel y a contrôlé d'ailleurs pas oublier que yo t'ai demandé pour Haïti remettre yo cob que yo t'ai bail pour fond route dans le nord-est déjà et en son cob yo t'ai fait cadeau mais yo dit même si yo fait cadeau ou pas qu'à disposer de li jonvler. Or ce n'est pas le cas de Taïwan toujours un scandale de corruption avec cob Taïwan ça nous voulait dire par là. Dans cérémonie ça dans palais national nous pas remarqué présence les États-Unis qui pourtant te font tweet pour te dire son premier pas important qui franchit avec la formation du CEP mais selon des sources que nous avons fait confiance dans diplomatie il paraît que les États-Unis t'a fait tweet ça li te laissé embobiner par président Jovenel Moïse qui t'ai fait le coin que toute instance tout secteur qui connaît CEP délégué moun yo voyé représentant et l'ambassade là ouais représentant cul réformé l'ouais ceci l'ouais cela l'écouter qu'on son bon affaire
alors que le patron, si Jovenel Moïse est en batabi passé, il rallon vieux pasteur, excusez-moi, l'en dit vieux, son expression très haïtienne, mais c'est pas vieux, mon nan vieux vrai, mais il est peut-être bon petit connotation ta courraquette, puisque quand même, c'est créant une organisation pour voir un monde. Le ambassade américaine connaît que c'est Fédération protestante d'Haïti qui te signé convention avec l'État haïtien pour le représenter, tout ça qui a un rapport avec culte réformé, et puis voilà que Fédération a pas là. Elle remarque que l'Université de l'État d'Haïti pas là, Fédération des barreaux d'Haïti pas là, elle remarque que la presse pas là. Et c'est Jovenel Moïse qui crée une série de secteurs avec tout respect et puis le temps de tout ça et toute organisation famille d'ailleurs qui voit une note nous t'appelait tout hier et avant hier na radio à côté on dit yo pas qu'on connaît et moun sa yo que Jovenel Moïse moun sa Jovenel prend ni structure voit yo donc ambassade là on dit gens très préoccupés parce que nous songer le t'ai rencontré Mike Pompeo au Saint-Domingue monsieur t'ai dit Alphon et pour Alphin on CEP mais faut inclusif ça veut dire faut que tout le monde la donne donc c'est ça que tu pensais et c'est peut-être raison ça a fait expliquer que au pas de présent dans cérémonie installation faite dans palais national certainement n'attendre prochain tweet ambassade américaine pour est-ce que sous nous te ban nous menti ou non mais le fait que au pas de présent ça t'est expliqué en pile bagaille pour yo mais pour nous la France ban nous raison parce que nous t'ai dit ça avant déclaration la France là nous dit mercredi hein, mardi et mercredi et voilà jeudi ambassadeur français a vinn dit CEP ça a pas inspiré confiance c'est que sous nous t'es plus ou moins crédible. Et puis, ajouter à ça, il y a une série d'organisations aux États-Unis qui protestaient, qui fait pétition même pour yo fâcher, yo montrer comment yo fâcher. C'est une douzaine d'organisations américaines de droits humains qui condamnent les pressions exercées par l'administration du président Donald Trump sur les actrices et acteurs haïtiens pour les porter à appuyer le processus électoral considéré comme inconstitutionnel dans une déclaration commune que ont fait. Pourtant, les États-Unis d'Amérique ignorent la recrudescence des violences et des violations systématiques des droits humains qui menacent la possibilité d'avoir des élections libres, transparente et inclusive, critique ces organisations. Elles expriment leurs inquiétudes face aux pressions américaines qui constituent un exemple dangereux et antidémocratique et qui donnent aussi plus de force au régime autoritaire de Jovenel Moïse, tout en pressant Haïti de former un conseil électoral provisoire. Les États-Unis ont mis en garde tous les protagonistes qui s'y opposeraient, selon un tweet en date du 16 septembre 2020 de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Haïti doit faire son travail et former un nouveau CEP avec des membres ayant une réputation d'intégrité, d'honnêteté et de compétence pour organiser un processus électoral libre et juste. Il y a des conséquences pour ceux qui y font obstacle, pouvait-on lire dans l'un des tweets relayant les propos d'un officiel du département d'État non identifié. Après ces pressions explicites américaines, les noms des membres déjà contestés du nouveau CEP ont été officiellement rendus publics dans un arrêté en date du 18 septembre 2020, publié dans le journal officiel Le Moniteur. Puis, le gouvernement des États-Unis d'Amérique s'est déclaré être dans l'attente d'un décret électoral et d'un calendrier électoral qu'il estime comme une étape importante vers les élections législatives dans un nouveau tweet de l'ambassade américaine en Haïti. Ces organisations de droits humains signataires de la déclaration du 1er octobre 2020 invitent le gouvernement américain a cessé
ces déclarations intempestives qui créent beaucoup d'inquiétudes. Elles encouragent aussi le gouvernement des États-Unis à dénoncer, de préférence, les violations des droits humains commises par des individus ayant des connexions avec le président Jovenel Moïse. Au lieu de supporter l'impunité, les États-Unis devraient solliciter des enquêtes et déterminer les responsabilités de celles et de ceux qui sont impliqués dans des actes de violence. Nous demandons aux membres du Congrès américain de continuer à se solidariser avec Haïti et de dénoncer le support au pouvoir qui jouit de l'impunité au nom de la démocratie. Les organisations américaines des droits de l'homme et des droits humains signataires de la déclaration du 1er octobre 2020, c'est nous joindre American Jesuit World Service, on bande l'autre encore Center for Gender and Refugee Studies, en pile l'autre organisation qui signe, si nous bien comprenons sens lettre ça, nous expliquer, c'est américain, organisation droits humains aux États-Unis, expliquer à l'administration américaine que ça, ambassadrice, madame Hélène Sisson, a fait, et madame Sisson a fait en Haïti, en dit pas bon, il y a pas de pression pour forcer mon entrée dans le vieux CEP qui pas respecté qu'un principe qui pas monté selon exigence, la loi et la constitution, et pendant après ça, il n'y a pas même demandé Jovenel pour lui prendre les yeux contre une bonne gang armée qui lui-même lui contribuer, lui alimenter ici, et puis c'est sous et monde ça y et il y a pas de pression comme quoi, même si on ne parle pas, il y a des sanctions contre lui pour l'OTK et l'OTK retirer visa. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de président Jovenel Moïse à tout Joseph Jout qui était hier dans le box central. En fait, l'étape lancée hier vendredi 2 octobre là, les travaux de la deuxième journée de l'économie qui a déroulé autour du thème sécurité et investissement. En Haïti, c'est là de dirigeants Ayo, tapé battre l'estomac, réjouir, féliciter Petio, le fait que c'est pour là qu'on y a capté un soufflette. Et puis, on dit ces grandes mesures qui ont été prises qui permettent que Bagay ça a fait. Alors c'est ça que fait tout à l'heure, nous sommes obligés de rappeler, président, que mesures pour injecter l'argent sous marché. Hein. Ce sont des mesures qui sont aussi vieilles que des côtes goudelins. Chaque lègue, ça, c'est la NASA. Nous, toujours courir pour nous côté rythmique. C'est pas un bagage qui est nouveau du tout. Et puis, notre fait dans l'actualité, on peut expliquer ça pendant ce moment dans tous les juristes qui étaient perdus pour dire qu'il est difficile pour après prestation, après installation conseil électoral, pour juge, parce que dans pile pression qui a exercé sur le juge, samedi dernier nous avons parlé de ça, et particulièrement Mme Koch, dans pile pression, mais qui a brûlé, mais dans le pouvoir, mais dans la primature. Le secrétaire général primature dit qu'il a parlé directement mais monté radio qu'il a fait menace etc. Alors Gampil juriste qui était intervenu pour dire que après Jovenel Moïse à l'occasion de intervention dans Nations Unies naturellement par vidéoconférence à cause de Covid là pas bien déplacé, Jovenel Moïse dit que lui installer CEPEL, donc nous ta comprenons mal qu'au fin d'où installer CEPEL, et puis je vous dis, ou ap chercher et prestation de serment. Or, cérémonie prestation de serment, son bagay qui t'a doué préalable, qui t'a doué fait avant installation, sous fin installé ou pas t'a doué katounen, nan a fait et investitu, a fait prestation de serment encore. Et en plus de ça, il y a un pile organisation qui t'a écrit
et juge cour de cassation pour dire que dans condition CEP ça à Montréal pas répondre à quelle norme j'en nous sont dit tout à l'heure et que membre cour cassation si on t'a participé non éventuel prestation de serment, yo t'a accepté prestation de serment, conseiller ça yo, c'est que yo même tout yo t'a passible de la haute cour de justice parce que c'était comme si yo t'a participé dans forfaiture ça. Mais malgré tout pression commence à continuer à exercer non ouais cadeau hein, collectif des anciens députés et des anciens parlementaires qui étaient même à les fonds et recours devant les juges cour des comptes et ils étaient voyés en opposition dans ce maintenant bail cour de cassation pour dire ils ont pas rien à faire mais en plus de ça gagnent et sont Carl Lévesque des programmes pour alternative de justice, gain le réseau national de défense des droits humains, gain la commission épiscopale nationale justice et paix, gain centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CAD, gain le centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement CRISFED, tout le monde ça yo écrit yon lettre encore en deuxième bail qui datait de hier, bail cour de cassation pour yo renouveler requête pour opposer à prestation de serment des membres du CEP nommé honorable magistrat. Les organisations de défense des droits humains signataires de la présente correspondance tiennent à féliciter la composition de la cour de cassation qui n'a pas accepté de recevoir la prestation de serment des 9 conseillers électoraux nommés, la mission qui leur est attribuée de doter le pays d'une nouvelle constitution étant inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et contraire aux principes de l'état de droit et de la gouvernance démocratique. Des informations pertinentes font croire cependant que certains juges sont prêts à recevoir la dite prestation aussi. Les organisations tiennent-elles à rappeler à chaque juge de la cour que dans sa sagesse et dans sa compétence, il incarne la justice, l'état de droit et la démocratie. Par conséquent, aucun d'entre eux ne saurait accepter de recevoir le serment d'un CEP inconstitutionnellement formé, ayant de surcroît pour mandat de changer la constitution du pays. Ce serait l'effondrement du dernier rempart de la justice, de la morale républicaine et la consécration définitive de l'appropriation de toute la justice par le président Jovenel Moïse. Suite au refus de la